Amasio menya o mawo o masu boneo nyawaya binya myamau myasu wete be amasio menya o mawo o masu boneo nyawaya binya myamau myasu
Oh.
pourquoi je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. C'est pourquoi je suis pourquoi je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans la lève, car Yahweh m'a libéré. C'est pourquoi je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans la lève, car Yahweh m'a libéré. C'est pourquoi je suis chantons tous alléluia. Alléluia, louez son nom. Mes amis de Dieu, hey! Les enfants de Dieu, hey! Bénis de Dieu, hey! Peuple de Dieu, chantons tous alléluia. Alléluia, louez son nom. Acclamons Jésus. Alléluia. Oh! Alléluia. Acclamons. Alléluia, louez son nom. Acclamons Jésus. Alléluia. Pour la victoire. Alléluia. Pour la paix. Acheté de Dieu, aimé de Dieu, aimé de Dieu, béni de Dieu, béni de Dieu, racheté, 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 racheté par le sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus, sanctifié, 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 sanctifié par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus, 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 le plan de Dieu, chantons tous alléluia. Alléluia, louons son nom. Chantez pour Dieu. Alléluia, 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 louons son nom. Chantez pour lui. Alléluia, 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 louez son nom. Chantez pour Dieu. Alléluia, 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 louez son nom. Ah, alléluia, 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 louez son nom. Alléluia, 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 louez son nom. Alléluia, béni, béni.
ressuscité, il est 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 ressuscité, Jésus vit toujours, oh victoire, oui victoire, 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 il est ressuscité. Il a ressuscité, 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 il a ressuscité. Oh victoire, 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 victoire. Il est ressuscité, 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 il est ressuscité. Il a ressuscité, 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 il a ressuscité. Oh victoire, 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 victoire. Victoire, 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 victoire. Victoire! Victorious! 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 Victoire! 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 Alléluia! Victoire! 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 Sur la domination! Sur le problème! Sur toutes choses! Victoire sur la chef! Victoire! Victoire! Oh, victoire!
Hey, 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 Agamaduela. Hey, hey, Bavo. Hey, 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 Wello. Na Yesu. Mawuka. Dine. 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 Due vire. Hey, hey. Yesu. Mawuka. Elolo. Ekeke. Due ane. Thank you.
God. Glory be to God. Hallelujah. 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 Glory be to God in the highest. Hallelujah. Glory be to God in the highest. Everybody sing hallelujah. Shout hallelujah. Everybody sing hallelujah. Shout, shout hallelujah. Everybody sing hallelujah. Shout hallelujah. Everybody sing hallelujah. Shout hallelujah. Everybody sing hallelujah. Shout, shout hallelujah. To the Most High God, Jesus Christ, my Redeemer, Holy Spirit, my Comforter, sing, sing, hallelujah. Everybody sing hallelujah. 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 Hallelujah.
chair, Jesus. Oui, pendant Nazione buona e vaneme, mi sei catale a si uome Adonai. Non sei catale a si uome, nazione buona e ne buona, a me ne che me de nuovo Adonai. When you maure do qui wasi, nazione gloa ye ne wana. Ame de ke me denuo adona. Nu se katale asi ame, nazione.
que me de nuevo force pour t'adorer. Donne-nous l'énergie nécessaire. Donne-nous de te chanter sans jamais être fatigué. Donne-nous de te louer sans jamais être fatigué. Enseigne-nous comment ça se fait au ciel. Et aide-nous à commencer dès ici. Avant de nous enlever, enseigne-nous. Montre-nous l'adoration. Show us the worship. Thank you.
Yesu, la belle, mais
don't want my will no more. I don't have any will. I don't have anyone. But I desire the will of God. Only the will of God. Only God. I can't do no more my will. My will before it was. I can destroy my own flesh. I can lie. I can steal. Those who were our will before. But since I'm not alive. For Jesus who live in me. I can live no more my will. Help me to live your life. Your word said, they hide us in you. And they hide us in God. Why will I live on my own? Jesus, teach me your life so that I can live your life. So that the gate of heaven should open for me. Lagbe, lagbe, Yeswe, lagbe le, menye, me ganye, nye le lagbe wo, Yeswe, lagbe le, menye. When I was singing, I was here. If Jesus can come right now, will we be raptured? Are we going? It's because of one purpose we are here, so that we should be able to go to heaven. It's not to be rich. If it was to be rich, I would open a big shop and I would be in my shop. I will be there days and nights. And I will be selling. I will be gathering money. And I will put it in bank accounts to be rich. If it's to be rich. I will be in the night. In the night I will still be working. I will say that I'm a big lawyer. I'm the big technician. I'll be the engineer. And I will look for money. But it is not because of money. It's because of Jesus. It's because of heaven. We have abandoned, we forsake everything. So that God should help us. And some people thought that we are lazy people. If we talk to them, we have many certificates. Before we are worshiping God this way, they will see their own and they see. But there is standing in Jesus. There is something in Jesus. Who is above all things. May your heart calm down. Be patient. And hold Jesus. Still holding on Jesus. Hold him preciously. Love him and love him more. Be patient. Be patient. You are blessed. Mm-hmm.
bless you. Que Dieu te bénisse. What do you tell the woman of God? Qu'est-ce qu'on dit à la servante de Dieu? Que Dieu te bénisse. This world. Oh God, thank you. I hope you have received from God why she was ministering. J'espère que tu as reçu de la part du Seigneur pendant qu'elle chantait. While she was ministering, breathe on me. He goes power, breathe on me. Yes, that is gone. I will need Lego's power. Breathe on me. Blood on me. Breathe on me. Holy Ghost power, breathe on me. Yesterday's gone, today we need the Ghost power, on me. While she was singing, pendant qu'elle chantait. While she was ministering, pendant qu'elle communiquait envers nous de la part du Seigneur, I received a lot. J'ai beaucoup reçu. I don't know about you. Je ne sais pas pour toi. She says she doesn't want to live for herself. Elle dit qu'elle ne veut plus vivre pour elle-même. God bless the people who are doing the dry fasting. God bless you. Que Dieu bénisse ceux qui font le jeûne à sec. More grace to you. Today is Antivik's birthday. Happy birthday. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Antivik. Well. Can you pray for me? Est-ce que vous pouvez prier pour moi? In Revelation chapter 4, verse 1. À Apocalypse chapitre 4, le verset 1. Oh, breathe on me. Yesterday is gone. Today I will need Holy Ghost power. Breathe on me.
May God help us, Pastor Foster. We will be better. We have not started yet. On n'a pas encore commencé. I'm not talking about power miracle. Forget it. Je parle pas du pouvoir et des miracles. Oubliez ça. I'm talking about being like Jesus. Je parle d'être comme Jésus. One day Jesus has blessed. You know the story? Vous connaissez l'histoire? That he called people to his work. Qu'il a appelé des personnes à faire son œuvre. The first people he called, he has bargained price with them and they settled on a certain price. Et les premières personnes qu'il a appelées pour faire son œuvre, il avait déjà établi le salaire qu'ils allaient recevoir. After settling with them, après avoir établi le salaire, the Bible says in the last hour, la Bible dit qu'à la dernière heure, he called another people. Il a appelé d'autres personnes. He said they should come and wait. Il leur a dit de venir travailler. When they all finished, et ils ont tous terminé. He decided to pay the people he called last. Il a décidé de payer ceux qu'il a appelés en dernier. The people he called last, he has paid them as though they have worked from morning to evening. Et ces personnes qu'il a appelées en dernier, il les a payées comme s'ils avaient travaillé depuis le matin jusqu'au soir. The first people, when they saw him paying, the people who came late, what they are receiving, in their mind, they were thinking when they come to them, they will increase their own. Les premières personnes, ils pensaient, quand ils ont vu la paye des dernières personnes, ils pensaient que en arrivant sur eux, eux ils recevront beaucoup plus. Hear me. Écoutez-moi. When he turned to the people he called first, who have spent the whole day, quand il s'est tourné vers ces personnes qui ont passé toute la journée à travailler, he has given them the same money he gave to the people who came late. Il a donné le même argent qu'il a donné à ceux qui sont venus en retard. Something happened. Quelque chose s'est passé. They start talking against him. Et ils ont commencé à parler contre lui. Why are you paying us with the people who came late? Pourquoi est-ce que tu nous payes la même somme que ceux qui sont venus en retard? Today you can desire your right because God has made you somebody. Aujourd'hui, tu peux désirer ton droit parce que Dieu a fait de toi quelqu'un. But you forgot that you were nobody. Mais tu oublies que tu n'étais pas quelqu'un. He tell them. Il leur a dit. What is mine? Ce qui m'appartient. I don't have right to give it to whom I wish to give it. N'ai-je pas le droit de le donner à celui à qui je veux? Hear me. Écoute-moi. Love is not fair. L'amour n'est pas fair play. N'est pas juste, c'est ça que je voulais dire. Love is not just. L'amour n'est pas juste. In the eye of people who don't want to grow. Dans l'œil des personnes qui ne veulent pas grandir. May we be like Jesus, people. Que nous soyons comme Jésus. May we be like him. Que nous soyons comme lui. I don't want to finish these 40 days and just be like me. Je ne veux pas finir ces 40 jours et être comme moi. And for you to understand love as we are preaching it, you have to be spiritual. Et pour que tu puisses comprendre l'amour, tu dois être spirituel. In Revelation chapter 4 verse 1. À Apocalypse chapitre 4 le verset 1. The Bible says after this I look. La Bible dit après cela je regardais. And behold a door was open in heaven. Et voici une porte était ouverte dans le ciel. While men were looking for doors to open on earth. Quand les hommes cherchaient les portes ouvertes sur terre. Where they were looking for marital doors. Quand ils cherchaient les portes maritaux. Where they were looking for a door to open for work. Quand ils cherchaient les portes ouvertes pour leur travail. John said he looked up. Jean a dit que lui a regardé vers le. Can somebody look up from your character? Est-ce que quelqu'un peut regarder vers les cieux pour son caractère? Can somebody look up from the challenge you are in? Est-ce que quelqu'un peut regarder vers les cieux depuis les épreuves par lesquelles when tu passes? When the door opened in heaven. Et quand cette porte a été ouverte au ciel. And the first voice which I heard was as were a trumpet talking to me. Il dit la première voix que j'avais entendue. Comme le son d'une trompette. Which said, et qui me parlait dit, come up
hither. Il a dit, monte ici. Come up hither. Monte ici. Come up hither. Monte ici. Dans français littéral, on va dire quoi? Comme un peu plus haut. Monte ici. Enfin, c'est ce qui est écrit aussi, non? Comment? Yeah, I want to do it like my French. Monte ici là. Ok, ça va. But the English say, come up hither. The tree say what? I want to explain the dimension of you come by, you can come up more. Je veux expliquer cette dimension. Tu peux monter, mais tu peux aller un peu plus loin. He said, come up hither. Et il a dit, monte ici. I will show you things which must be hereafter. Et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Which level God is calling you and you are not coming. Et donc, envers quel niveau est-ce que le Seigneur t'appelle et envers lequel tu n'y vas pas? Which level? Quel niveau? I'm not talking about prophecy. Je parle pas de la prophétie. I'm not talking about laying hands on people falling. Je parle pas du fait d'imposer les mains pour que les gens tombent. I'm not talking about being a great teacher. Je parle pas du fait d'être un grand enseignant. Can we love and be just like Jesus? Est-ce qu'on peut aimer et être comme Jésus? When Jesus showed love for the people he called at the last, the first people were angry. Quand Jésus a montré son amour envers ceux qui sont arrivés en retard, les premiers étaient en colère. In this church, I had church members who told me dans that église, when new people d'église. Come, we pay attention to. They don't tell me. You can't even tell me on my face. I hate. Ils me l'ont pas dit directement, mais j'ai entendu. We pay attention to new people and forget the old. Ils disent que quand de nouvelles personnes arrivent, on se focalise sur les nouveaux et on oublie les anciens. Mm-hmm. You are like those workers. Tu es comme ces ouvriers. Because you are a church member, because you have been there before somebody come, we shouldn't pay attention. Donc parce que tu étais là avant que quelqu'un n'arrive, on ne doit pas prêter attention à cette personne. There is a word of God for every individual in the Bible. Et il y a une parole de Dieu pour chaque individu dans la Bible. We are praying. Nous prions. We are singing. Et nous chantons. We are worshiping. Et on adore. But there's something lacking. Mais il y a quelque chose qui manque. To be like him. Pour qu'on puisse être comme lui. To be like him is to forgive. Pour être comme lui, c'est de pardonner. To be like him. Être comme lui. Is to be kind. C'est d'être bon. To be like him. Être comme lui. Is not to be giving excuses why you are wrong. C'est de ne pas donner des excuses alors que tu es dans l'erreur. Look at Jesus. Regarde Jésus. They crucify him for what he have not committed. On l'a crucifié pour des péchés qu'il n'avait pas commis. This is what God is calling us to. Et le Seigneur nous appelle à ça. This is the essence of coming to church. Why do we come to church? Pourquoi est-ce qu'on vient à l'église? Voici l'essence pour lequel nous venons à l'église. It's the essence to be a child of God. The word of God must work on us. La parole de Dieu doit œuvrer ou travailler sur nous. Like I said yesterday, comme when we see hier. Sin with some people, then we hate it. But when it's with us, we embellish it. We soft it. Quand le péché se trouve dans la vie d'autrui, on le déteste. Mais quand ça se trouve en notre vie, on essaye d'embellir ce péché. While we were talking about sin, quand on parlait du péché, we were explaining sin from blasphemy, abomination, iniquity and sin itself. On a dit que on avait différents niveaux, le blasphème, l'abomination, l'iniquité et la transgression. When you read the Bible, there are many words to Christians, to the church concerning sin. So sin, while we are born again, sin is still around us because of the Adamic nature. Et quand on est né de nouveau, le péché est toujours autour de nous à cause de la nature d'Adam qui est en nous.
It is very easy for a true child of God to commit sin without knowing. Il est très très facile pour un enfant de Dieu qui est vrai de commettre le péché sans pour autant en être au courant. There are sins who are popular, who have name. Il y a des péchés qui sont populaires, nous les connaissons. But there are other sins who are not popular in the ears or in the eye of men that we commit as children of God who are dangerous. Et il y a des péchés aussi qui ne sont pas communs envers nous en tant qu'enfants de Dieu. Nous commettons ces péchés et c'est très dangereux. That's why God is not only judging your actions, he will be judging your intentions also. C'est pour ça que Dieu ne juge pas seulement tes actions, mais il va aussi juger tes intentions. Some of you have never insulted anybody openly, but your heart have insulted. Beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas insulté les personnes publiquement, mais vos cœurs ont déjà insulté ces personnes. Today, a lot of false Christians. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous chrétiens. We don't fornicate literally. On n'est pas dans la fornication. Littéralement. But we do it with our heart and in our mind. Mais on le fait avec nos cœurs et aussi dans nos pensées. One of the dangerous sins the Bible spoke about, I want us to talk about it. Le péché le plus dangereux, la Bible a en parlé, j'aimerais qu'on en parle. Grieving the Holy Spirit. C'est d'attrister le Saint-Esprit. Grieving the Holy Spirit. Attrister le Saint-Esprit. Pastors do it. Les pasteurs le font. Ushers do it. Le protocole aussi le font. Singers do it. Les chantres aussi le font. Especially people who are called leaders. Surtout les leaders, ceux qui sont appelés. If you are not broken, you grieve the Holy Spirit. Si tu n'es pas brisé, tu vas attrister le Saint-Esprit. Because unbrokenness blocks the flow of the Holy Spirit. Parce que quand on n'est pas brisé, on bloque le Saint-Esprit, on ne le laisse pas couler ou à travers nous. That's why in the church of Pentecost, before you become a pastor, you are almost at the graveyard dying. C'est pour ça que dans l'église de Pentecôte, avant de devenir pasteur, c'est que vous êtes proche de la mort. I told you one of the Asia country. Je vous ai dit dans un des pays d'Asie. For you to become a pastor, they must send you to the prison 1 year. Avant de devenir pasteur, on doit t'envoyer en prison pendant un an. Why? Pourquoi? So that you can be broken. Pour que tu sois brisé. So that you yourself pour will que not le block le soi the will of toi. God and the decision of God. Ne brise pas la volonté et aussi les décisions de Dieu. Oasis of God, as we are growing. Oasis de Dieu, puisque nous grandissons. We can be a blocker for what God wants to do. On peut empêcher le Seigneur de faire ce qu'il veut faire. Especially the people who have been with me for long. Surtout les personnes qui ont été avec moi pendant très longtemps. Especially the people who have opportunities. Surtout les personnes qui ont des opportunités. Who have posts and positions. Qui ont des positions. If you are not careful, you'll be calling yourself first 11. Si tu fais pas attention, tu vas t'appeler les premiers 11. Where were you? Where were you? Quand on était nous, où étais-tu? I want to be free like the Holy Spirit. Je veux être libre comme le Saint-Esprit. That's why I don't have a church. C'est pour ça que je n'ai pas d'église. As I'm preaching, I finish. Quand next month, prêcher, I'm going somewhere else. Le mois prochain, je vais quelque part d'autre. Yes. Are you running? You can say whatever you want. I'm flying away. Fuir. Flying away. Je suis en train de voler. Pastor. My husband's napping. Pastor. He only gave us 2 CDs. So what? Il nous a donné seulement 2 CDs. Et alors? Why you don't come to us when your husband doesn't read Bible? Pourquoi est-ce que tu viens pas nous voir quand ton mari ne lit pas sa Bible? When your husband doesn't pray, you don't come. Quand ton mari ne prie pas, tu ne viens Pastor, pas. Pastor, one day you were driving the car last time. La dernière fois quand on conduisait. I saw him watching the sister. Sister Essie's potos. Je l'ai vu regarder les fesses de la sœur Essie. Your husband does not pay that and does not give offering. You don't tell us. Ton mari ne paye pas sa dîme, mais tu ne le dis pas. If the thing doesn't interest you, you don't vomit si it out. Si c'est pas dans ton intérêt, tu le vomis pas.
the sin most committed. Les péchés les qu'on commet le plus. By true Christians. Par les vrais chrétiens. Is grieving the Holy Spirit. Attriste le Saint-Esprit. The way we do it. Notre façon de le faire. We do it because we are negligent. We are negligent. Nous le faisons parce qu'on est négligent. Two. Deuxièmement. Because of our rights. À cause de notre droit. Somebody like Sister Ayawavi, when he sings, it's easy to worship God. What about when Mamna is the one leading the song and the song is not going? Can you still worship? Quelqu'un comme la sœur Ayawavi, quand elle chante, c'est facile d'adorer Dieu. Mais si c'est quelqu'un comme la sœur Mamna qui chante ou qui est en train d'adorer, est-ce que tu peux aussi adorer le Seigneur comme tu le when fais? When Pastor Philip is the one teaching, quand c'est le pasteur Philippe qui enseigne, there is a certain captivating power. Il y a ce pouvoir qui est en train de nous captiver. You are hearing, you want to hear more. Tu entends et tu veux entendre plus. What of if it's Honoré is the one teaching? Et si c'est le frère Honoré en train d'enseigner? Will you be going seven times before est-ce we que finish tu iras faire 45 minutes preaching? Sept fois avant qu'on ne finisse la prédication de 45 minutes. The sin most committed by true Christians is called grieving. The Holy Spirit. Les plus commis par les vrais chrétiens, c'est attrister le Saint-Esprit. Pastor, pasteur, why do you make this person a pastor? Pourquoi est-ce que tu as fait de cette personne un pasteur? Can I also make somebody a pastor? Est-ce que moi aussi je peux faire de quelqu'un un pasteur? We give you what God said we should give you. On te donne ce que le Seigneur nous demande de te donner. Pastor, she just came to the church. Pasteur, elle vient juste d'arriver dans l'église. She's not even 2 years. Ça ne fait même pas 2 ans. But she's married this brother. Mais elle va épouser. We have been here 17 years. Ça fait 17 ans que nous because on est ici. Because we have been here 17 years. Donc c'est parce que tu es là I depuis 17 take ans. Take somebody's husband to be and give to you. Je dois prendre le mari de quelqu'un et te le donner. You are grieving the Holy Spirit. Tu es en train d'attrister le Saint-Esprit. Ephésiens chapitre 4. Ephésiens chapitre 4. The verse 30. Ephésiens chapitre 4, the verse 30. Ephésiens chapitre 4, le verset 30. And grieve not the Holy Spirit of God. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Whereby ye are sealed unto the day of redemption. Par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Amen. Amen. Thank you for the last time. Ephésiens chapitre 4, the verse 30. Chapitre 4, le verset 30. And grieve not the Holy Spirit of God. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Whereby ye are sealed unto the day of redemption. Par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. If you are writing, write this in quickly. Si vous écrivez, écrivez ceci rapidement. To grieve means to make sad. D'attrister, c'est de rendre malheureux. Or sorrowful. Ou rempli de tristesse. Or cause pain. Ou de causer la douleur. Or distress. Ou la détresse. To grieve means to make sad. Donc d'attrister, c'est de rendre triste. Some of you have made the Holy Spirit sad. Certains d'entre vous, vous avez rendu le Saint-Esprit triste. By your understanding. Par votre compréhension. By what you say. Par ce que vous dites. When the Bible says, "Do my prophet no harm," it's not only stoning him. Quand la Bible dit, "Ne faites pas de mal à mes prophètes," c'est pas seulement les lapider. When you don't allow him to be a prophet. Quand tu ne le laisses pas être un prophète. To grieve also means. D'attrister aussi veut to dire. To make sorrowful. De remplir quelqu'un de douleur. Cause pain or distress. Ou de causer la douleur ou la détresse. So then the question, what makes the Holy Spirit sad or sorrowful? Donc la question c'est qu'est-ce qui attriste le Saint-Esprit? Qu'est-ce qui le remplit de tristesse? Francis, the most painful thing is that we make him sorrowful and we don't care. La chose la plus douloureuse c'est qu'on rend le Saint-Esprit triste et ça ne nous fait rien.
While you are in the church, pendant que tu es dans l'église, we are making church, you are making a call. On est, le culte est en train de se passer et toi tu passes un coup de fil. We are worshiping, you are testing. On est en train d'adorer et tu es en train d'envoyer des messages. The leader say everybody bow down. Le leader a dit que tout le monde se mette à genoux. Since you are the pastor, puisque tu es le pasteur, you say, Tofi, à quoi? Tu as dit surtout pas. How do we make him sad? Comment est-ce qu'on le rend triste? Camera maushu kameli and fils will not come. Le caméraman qui est censé venir très tôt ne vient pas. The sound mixer man will not come on time. Celui qui s'occupe de mixer le son ne vient pas à l'heure. We made him sad. On le rend triste. There are times ushers don't clean the offering bowl before carrying it to us. Parfois, le protocole ne nettoie pas le bol avec lequel nous recevons l'offrande avant de l'emmener ici devant. But we clean the face of our phone, our iPad, les écrans de nos téléphones, de nos iPads. The Bible says, "Grieve not the Holy Spirit." La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. For it is the seal to your redemption. For parce your redemption. Que il a, vous avez été scellé pour avec lui pour le jour de la rédemption. C'est whereby ye are sealed unto the day of redemption. Il dit par lequel vous avez été scellé pour le jour de la rédemption. The verse 29. Le verset 29. Shows us how we grieve the Holy Spirit. Nous montre comment nous attristons le Saint-Esprit. Verse 29. Let no corrupt communication proceed out of your mouth. What is that? Let no corrupt communication proceed out of your mouth. Il dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Corrupt communication. La communication qui est corrompue. You see, when true Christians speak corrupt, you know, one of the things we don't confess is what we say. L'un des péchés qu'on ne confesse pas, c'est les choses que nous disons. You know, the way we play among ourselves. Notre façon de jouer entre nous. Look at his hair like purple tree. Regarde sa tête comme l'arbre. De papaye au papaye la de papaye. Now when you say that, quand tu dis ça, when you have come to God, et quand tu viens envers Dieu, you are just looking to confess stealing and fornication. Tu penses juste à confesser le fait d'avoir volé. But the corrupt communication. Mais cette communication corrompue. Où est fianga sa prière? T'es tellement maigre comme le balai. Corrupt communication. Communication corrompue. That's where we grieve him. I want the church to help me to serve the Lord well. Je veux que l'église m'aide à servir le Seigneur comme il faut. Oh Lord, help us. Seigneur, aide-nous. We want to be like you. Nous voulons être comme toi. Continue, please. But that which is good to the use of edifying. Il dit si il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification, that it may minister grace unto the ears, et communique une grâce à ceux qui l'entendent. It means that any words that come out of our mouth that doesn't minister grace to the hearer. Donc cela veut dire que toute parole qui sort de notre bouche qui ne communique pas une grâce à ceux qui l'entendent, it makes the Holy Spirit sad. Attriste le Saint-Esprit.
I won't do it again. Je ne le referai plus. Enyajoa. Manyo. Me Jennifer baby, I go show you. What we say? Make the Holy Spirit. Ce qu'on dit attriste le Saint-Esprit. What have you been saying? Qu'est-ce que tu as l'habitude de dire? If you are wise, you should stop saying as well as thirty or that thing that boy is saying. Stop it. Some of you play with tongues. Certains d'entre vous qui jouez avec la langue du Saint-Esprit. You know, some of you, your gossip has made the Holy Spirit sad. Certains d'entre vous, vous avez attristé le Saint-Esprit par les commérages. Ivorians call it pakpato. Les Ivoiriens appellent ça les kpakwato. There was a war. Agblamanya toto. Akpasato. Nyadola is tovonea manya toto. Amagomodu to ajak alakbe. Adwamagomele vone agblamanya. Legedeto. Sakpleto. Ça plaît ça là, le gede. That's what I was looking for. Akpasato. Avorian call it pakpato. Gans call it what? Les gans appellent, les appellent comment? Apasa. Tree say what? Konkonsa. Yeah. La benon c'est tete poulet. Cheche pule. Cheche kofisa. La very time. That's how they call gossipers. Now listen. Écoutez. There are some of the sins we commit. Il y a certains péchés que nous commettons. With the mouth. Avec la bouche. When we come to repentance, we don't confess them. Quand nous venons dans la repentance, on les confesse pas. The small, small thing. Les petites, petites choses. No wonder Jesus said, "By your word will be judged, and by your word will be condemned." C'est pour ça que le Seigneur Jésus a dit, par votre parole vous serez condamné, et aussi par votre parole vous serez justifié. We have grieved the Holy Spirit. On a attristé le Saint-Esprit. Another thing, because of time. Il y a une autre chose aussi à cause du temps. Bitterness. L'amertume. Bitterness makes the Holy Spirit sad and sorrowful. L'amertume attriste le Saint-Esprit et le remplit de tristesse. What is bitterness? C'est quoi l'amertume? It's a resentful spirit that refuses to be reconciled. Donc c'est un esprit qui refuse la réconciliation. But is resentful with infeelings. Avec des émotions intérieures qui refuse la réconciliation. When you are angry for long, quand tu es en colère pendant longtemps, you receive a promotion to what we call bitterness. Tu vas recevoir une promotion vers l'amertume qui est plus élevée. And a bitter person. Et toute personne amère always have an invitation, a toujours une invitation. To tend to be a wizard or a witch. Soit de devenir un sorcier ou une sorcière. Most rebel leaders were bitter. They were once with the nation they are fighting. La plupart des leaders des rebelles étaient auparavant avec la nation envers qui ils se battent maintenant. When anger has been kept. Or somebody offend you and you hold it for long. Quand quelqu'un t'offense et que tu gardes cette colère ou cette amertume pendant longtemps, it tend to bitterness. Ça se transforme en amertume. That's why anything done to you, make sure you talk about it. C'est pour ça que quoi qu'il arrive, peu importe ce qu'on te fait, tu dois en parler. Some of you, when somebody offend you, you can't open up. Certains d'entre vous, quand on vous offense, vous n'arrivez pas à vous ouvrir et à en parler. Vous allez mourir.
Those people tend to be bitter. Ces personnes-là se deviennent amères. A bitter person will always forget all the good things done for him or for her. Et toute personne amère oublie toujours les bonnes choses qu'on lui a fait. So bitterness grieves the Holy Spirit. Donc l'amertume attriste le Saint-Esprit. A bitter pastor. Et un pasteur qui est amer. Who refuse somebody or a bitter pastor can plug the church. A bitter pastor will refuse the Holy Spirit to use him to bless somebody. Un pasteur amer peut refuser à ce que le Saint-Esprit l'utilise pour bénir quelqu'un et aussi peut bloquer le Saint-Esprit à œuvrer dans l'église. Look at Paul when God himself went to evangelize to Paul. Et regardez même Paul quand Dieu lui-même est allé évangéliser Paul. He met Paul on the road of Damascus. Et il a rencontré Paul sur le chemin de Damas. When all Christians were running away. Quand tous les chrétiens étaient en train de fuir. And God has paralyzed the guy. Et Dieu avait paralysé ce gars. Blindfolded him. Et l'a rendu aveugle. And put dry fasting on him 3 days. Et a mis sur lui 3 jours à sec. And you Ananias or some name be like that. Et toi Ananias. And they call him go on this street. On lui there's a dit, brother Paul there. Lay hands on him. Il y a un frère qui s'appelle Paul. Impose tes mains sur lui. And this Ananias. Et ce Ananias. Say God. Il a dit Dieu. Who did you say? Tu as dit qui? God say you hear me right. Dieu a dit tu m'as bien entendu. I say Paul Villa. J'ai dit Paul. I say God. Et il a dit Dieu. Ah, it's true you are in heaven, you are not here. C'est vrai, tu es au ciel, tu n'es pas ici. You didn't hear that that guy was tu n'as pas us. Entendu que ce gars-là nous tue? The way that guy make the kill Stephen. Ce gars-là, c'est comment il a rendu Étienne? If you don't know, they tell you God. Si tu ne le sais pas, Dieu, je suis en train de le that dire. That guy is a criminal. C'est un criminel. He can't be a pastor. Il ne peut pas être un pasteur. He can't be in the choir. Il ne peut pas être dans that la guy chorale. Can't be born again. Ce gars-là ne peut pas être né de nouveau. And God continue. Et Dieu a continué. I know. Je sais. I know what he must suffer for me. Je sais ce qu'il doit souffrir pour moi. Why God is turning the person? Why the church work with God? Because they were bitter. Ils étaient amers. They were not ready. That guy was not ready to go. Ce gars n'était pas prêt à y aller. It was not a man sending him. God was even speaking to him. Say no way. C'était pas un homme qui l'envoyait. C'était Dieu qui l'envoyait. Il disait non. I met a pastor. J'ai rencontré un pasteur. When we were in Togo, he was coming. Quand on était au Togo, il venait. When I met him, he had divorced the wife. Et quand je l'ai rencontré, il avait divorcé sa femme. And tell me the story. Et il m'a raconté l'histoire. I said, Pastor, you can't marry again. Il a dit, et je lui ai dit, Pasteur, tu ne peux plus te remarier. I said, no. Et il a dit non. We were doing. On faisait. When I returned last time, he went to marry. Quand je suis revenu, il est parti se remarier. Because another prophet told him, parce qu'un autre prophète lui a dit you can go and marry. Qu'il pouvait aller se remarier. There's a brother. Il y a un frère. When we start the church in Togo, quand on a commencé l'église au Togo, actually called me more pastor. Il m'appelait mon pasteur. Yes. He made the pastor il a rendu for le pasteur to himself, personal. Il a rendu personnel. The first Apple phone Pastor Christian used, that guy gave. Pasteur Christian. Le téléphone Apple que le pasteur Christian utilisait, c'était ce gars qui lui avait donné. From Christ Embassy, he accepted holiness. Depuis Christ Embassy, il a accepté la sainteté. The guy loved the fire in me. Et ce gars-là aimait le feu en moi. At that time, he had a girlfriend. À ce temps-là, il avait une copine. I give a prophecy. Et je donnais une prophétie. Enter the house of the lady. Je suis rentré dans la maison de la sœur. Say, go home and ask your parents. Et je dis, rentre à la maison, demande à tes parents. By the time he came, the grandmother said the same thing. Quand elle est revenue, la grand-mère a dit la même chose. When the grandmother confirmed what I said, quand sa grand-mère a confirmé ce que j'ai dit, she removed her artificial hair. Elle a enlevé ses cheveux artificiels. But something, gangam. Mais il y avait quelque chose. Now, maintenant, he has made me his pastor. Il a fait de moi son pasteur. With a girlfriend. Avec une copine. Why he has married with a child. Alors qu'il est déjà marié avec un enfant. And Pastor Philip, it does not matter how much you love me. Et Pasteur Philippe ne regarde pas du fait comment tu l'aimes. When it comes to the word of God. Quand il en vient à la love parole me de Dieu. The word of God. Aime-moi. Don't love me away from the word of God. Ne m'aime pas. We will have problems. Sinon, on aura des problèmes si tu m'aimes en dehors de la parole de Dieu. We will have problems. On
on aura des don't problèmes. Love me for me, no. Ne m'aime pas pour moi. I'm working for God. That's why you miss je me. Travaille pour Dieu, c'est pour ça que tu m'as respect rentré. That. Et tu dois respecter cela. This brother. Ce frère. Et c'est pas ça, Mario. Il a dit à pasteur, je suis marié. I say you can't marry again. Et j'ai dit, tu ne peux pas te remarier. We will pray the woman will repent. On va prier, la femme va se repentir. I give him a prophecy. Et je lui donnais une prophétie. I say brother. J'ai dit frère. I see so, so and so coming. Je vois cette personne revenir. I think we gave the prophecy Sunday, Anna. Je pense qu'on a donné la prophétie un dimanche. Monday, the week following, the lady came. La semaine qui a suivi, cette sœur est venue. But because it was bitter, mais puisqu'il était amer, the lady came, la sœur est revenue. Opening up. Elle est venue, elle a ouvert le cœur. The brother didn't want to open. Et le frère ne voulait pas s'ouvrir. Because he have made another choice. Parce qu'il avait déjà fait un choix. That's how I lost him. C'est comme ça que je l'ai perdu. I didn't sack him. Je ne l'ai pas renvoyé. He ran away. Il est parti. The girlfriend also stopped the church. Et sa copine aussi a quitté l'église. Have I failed? Est-ce que j'ai échoué? I cannot be their pastor. Je ne peux pas être leur pasteur. But it doesn't mean that I should hate them. Mais ça ne veut pas dire que je dois les détester. If I see them today, si je les vois aujourd'hui, I still tell them, je leur dirai encore. If you want to make heaven, si tu veux aller au ciel, stop this marriage. Arrêtez ce mariage. And go to your wife. Et retourne à ta the femme. The Bible says, neglect not the wife of la Bible dit, ne néglige pas la femme de ta jeunesse. Some people have the argument who say, the Bible says, if she fornicates, qui utilise cet argument, si elle fornique, the word fornication is not in marriage. Le mot fornication n'est pas dans le mariage. When you are dating, she fornicates, you can let si go. Si vous êtes en train de vous étudier qu'elle fornique, à ce moment-là, tu peux la laisser. The Bible says the two shall become one. La Bible dit que les deux ne feront qu'un. If the two are one, how can you separate them? Si les deux ne font qu'un, comment est-ce que tu peux les séparer? If you are separated, you don't marry again. Si vous séparez, vous pouvez plus vous remarier. Even in the church, when you come with your wife. Même dans l'église, si tu viens avec ta femme. In the churches, they marry you in. Les églises dans lesquelles on vous a unis. Your declaration was. Votre déclaration était. Till death do us apart. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. And the person is not dead. Et la personne n'est pas morte. And you want to break it. Et tu veux briser. So what you tell God you are lying. Donc tu es en train de dire à Dieu que tu mens. Because in the church you said till death do us parce apart. Parce qu'à l'église tu as dit que jusqu'à ce que la mort nous sépare. In Ecclesiastes chapter 5 verse 3, it says be careful 5, to 3, make a vow to God. Because God does not love a foolish vow. Aux promesses que tu fais devant Dieu parce que Dieu n'aime pas les vœux des insensés. I've seen bitter people that lost anointing and grace. J'ai vu des personnes amères qui ont perdu la grâce et aussi l'onction. I see bitter people that have lost a certain gift in j'ai, God. J'ai vu des personnes amères qui ont perdu certains dons en Dieu. Somebody like Naomi. Quelqu'un comme Naomi. Then Naomi mean pleasant. Naomi veut dire quelque chose qui est plaisant. But when Naomi moved to Moab. Mais quand Naomi est partie à Moab. You lose the husband. Elle a perdu son mari. You lose the two sons. Elle a perdu ses deux fils. That country. Dans ce pays. Killed three men in her life. A tué trois hommes dans sa vie. And somebody that they call pleasant. Et quelqu'un qu'on appelait plaisant. He said, "Now call me Mara." Elle a dit maintenant appelez-moi Mara. Mara means bitterness. Et Mara veut dire l'amertume. Naomi have somebody called Ruth. That person is called comfort. Et cette Naomi avait quelqu'un qui s'appelait Ruth. Ruth qui veut dire confort. There's a comfort beside Naomi. Il y a ce confort à côté de Naomi. But bitterness go. Mais l'amertume était en train de lui dire pars. Leave me alone. Laisse-moi seul. Leave me alone. Laisse-moi seul. Some of you have missed a true man of God. Certains d'entre vous avez manqué un vrai homme de Dieu. You have missed a lady who have helped, who should help you. Because of bitterness, you couldn't marry her. Because of bitterness, you couldn't marry him. À cause de l'amertume, tu n'as pas pu épouser le monsieur ou la femme que tu aurais dû épouser à cause de l'amertume. But thank God like men and women like Ruth. Mais on remercie le Seigneur pour des femmes comme Ruth.
I know you are in a challenge. Elle dit, je sais que tu passes par ces you épreuves. You are talking because you are bitter. Tu parles parce que tu es amer. I don't want to take those words seriously. Et je ne veux pas prendre tes paroles au sérieux. Zomidjola, move, let's go. Pars, allons-y. And Ruth. Et Ruth. Brought grace to Naomi's a life. A ramené la grâce clap à la vie Ruth. De Naomi. On acclame pour Naomi. Clap Ruth. For Ruth. On acclame pour Ruth. When you are bitter, quand tu es amer, even God can't help you. Même Dieu ne peut pas t'aider. I'm telling you the truth. Je te dis la vérité. Hmm? Oh. A bitter person, even God toute can't personne help you. Amère, même Dieu lui-même ne peut pas l'aider. The man at the pool of Bethesda. Cet homme qui était à la piscine de Bethesda. Was bitter. Il était amer. Even when Jesus came. Même quand Jésus est arrivé. C'est Kojovi. Il a dit Kojo. Mo jibe ahodo yoyo. Est-ce que tu veux être guéri? That one you use brain. So that you understand a way. Clap for her. You think she understand? She use brain. That's nice. Now I said, Kojovi, you don't want to be healed? Il a dit, Kojo, tu ne veux pas être guéri? Let me tell you. Je veux vous dire. One of the ways to see somebody is bitter. Une façon de voir quelqu'un amer. They give excuses. Ils donnent des excuses. For their bitterness. Pour leur amertume. And a bitter person will never accept it. Et toute personne amère ne va jamais l'accepter. Jesus said, "Do you want to be healed?" Jésus a dit, est-ce que tu veux être guéri? What should be the answer? Quelle aurait dû être sa réponse? Yes or no? Oui ou non? Eh, you two, you come, you think I'm a lazy person? Toi aussi, tu es venu, tu penses que je suis quelqu'un de feignant? Ça fait 38 ans que je suis ici. Anytime I want to go, à chaque fois que je veux y aller, somebody crosses me. Quelqu'un me dépasse. A bitter person accuses others for their pain. Toute personne amère accuse les autres pour leur douleur. So our bitterness grieves the Holy Spirit. Attriste le Saint-Esprit. And bitterness is an anti something against love. Et l'amertume c'est quelque chose qui est contre l'amour. Somebody who is bitter, if toute you throw amère, love to the person, si he doesn't accept it. Si tu envoies l'amour envers toute personne amère, cette personne ne peut pas l'accepter. There's a brother in the church of Togo. Something happened. They do everything to save that brother. Ils ont tout fait pour sauver ce frère. When the pastors they call, quand the les pasteurs way appelé, the brother talk. Sa façon de parler. Can you imagine you are telling your pastor's wife? Imagine tu dis à la femme de ton pasteur. Many things you say about me are here. Can you imagine people want to des rescue, personnes qui save veulent you. Te sauver, te secourir. If you pay attention to a bitter person, you can't do God's work. Si tu mets ton attention sur une personne amère, tu ne pourras pas faire l'œuvre de Dieu. That's why let's help brothers and sisters before they become bitter. C'est pour ça qu'on doit aider les frères et sœurs avant qu'ils ne deviennent amers. The truth is that if you are a friend to a bitter friend, you'll be contagious. You follow him. La vérité, c'est que si tu es ami avec quelqu'un d'amer, c'est que c'est contagieux, donc tu vas le suivre. I pray that God will deliver you from bitterness. Je prie que le Seigneur te sauve de l'amertume. There are times. Parfois. You can just be bitter because God is promoting your friend. Tu peux être amer parce que Dieu est en train de faire avancer ton ami. Let's say you all come to the church. Par exemple, vous êtes tous venus à l'église. Why you are in the church? Pendant que vous êtes dans l'église, your friend that you even brought, ton ami que tu as amené ici, he became a pastor. Est devenu un pasteur. Why you are a driver to the pastor? Alors que toi tu es le chauffeur du pasteur. But I brought him. Mais c'est moi qui l'ai amené. You don't become pastor because you are in the church long time. Tu ne deviens pas pasteur parce que tu as été dans l'église pendant très longtemps. You are a pastor because God has called you. Tu es un pasteur parce que Dieu t'a appelé. Hmm?
Hello? A sister can be bitter because all her friends has married and she's left alone. Une sœur peut être amère parce que toutes ses amies sont mariées et elle n'est pas. So anytime we talk about marriage, donc à chaque fois que vous parlez de mariage, smoke will be coming from your nose like a dragon. Vous allez voir de la fumée sortir de son nez comme un dragon. When we talk about marriage, please, can you talk about the Holy Spirit, please? Dès qu'on parle du mariage, elle dit, est-ce qu'on peut parler du Saint-Esprit, s'il vous plaît? When we talk about marriage, can we talk about heaven? Quand on parle du mariage, elle dit, est-ce qu'on peut parler du ciel? I don't know how to translate that one. Makpo means translate. It's because you don't. It's because you didn't receive it. That's the reason why you are talking that way. Yes. Some people say, oh, I married Jesus. Yeah, the person qui dit je suis marié à Jésus, je suis marié so à Jésus. So I saw them fall in love. Jusqu'à ce que je les vois tomber amoureux. Can't you say that Barbara is very lovely these days? Vous voyez pas que la sœur Barbara est. There's something that glow around her. My daughter, get a place. Opportunity. Yes. I saw Barbara in forest. I shock. Auntie Vic. J'ai vu la sœur Barbara dans la forêt. J'étais choqué. Parce que c'est pastor. I pass. I hear Barbara pain. You will be shocked. You don't know she have that machine in her. Yeah. Love. Love l'amour. Is better than everything. L'amour. Clap for love. Applaudissez pour hein? L'amour. Allô, no. Seul. Azuzi. Mastris Azuzi. I said, Barbara, you didn't go to work? She said, oh, no, for today. Elle a dit, non, juste pour aujourd'hui. She's clearing the way. Then I say, ah. Truly, people, let's love. Vraiment, aimons, aimons. Love is powerful, powerful l'amour than anything. L'amour est plus, beaucoup plus puissant que tout autre chose. It takes fools to truly love. Il n'y a que les insensés pour aimer because véritablement. When you do that, the world will say you are a fool. Quand on fait cela, le monde nous voit comme des insensés. I beg the church. Je supplie l'Église. It's a class God is calling us to. Le Seigneur nous appelle à ce niveau-là. You have used the weapon of fire. Tu as utilisé l'arme de feu. You have called thunder. Tu as appelé les tonnerres. Now use this weapon. Maintenant utilise cette arme. Love. L'amour. Love. L'amour. Hein? But please, mais stop clapping plaît. And let your life clap, please. Arrêtez d'acclamer, laissez-vous you like vie clapping acclamer. And you go and do wrong thing. Vous aimez bien acclamer, mais ensuite vous allez faire. If you don't die to self, si vous ne mourrez pas à ça, à votre à you soi-même, can't do what I'm telling you. Vous ne pouvez pas faire ce que je suis en train de dire. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Michel, tu connais cette chanson là? Dagan, sing it for us. Sing it for us. Ebe yebe agbe, nanyi. Ami wohwe. Flower. Que ma vie soit une fleur. Un parfait pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur. Let me tell you something. One day I was going to Abidjan. Un jour j'allais à Abidjan. While I was playing this song. Pendant que je jouais ce chant. I was crying. Je pleurais. Comme j'ai un peu la voix cassée. Please. S'il vous plaît. The Bible says, "While we were yet sinners." La Bible dit que quand on était encore pécheurs. Christ died for us. Christ est venu mourir pour nous. Why are you waiting for the person to understand before you love? Pourquoi est-ce que vous attendez à ce que la personne puisse comprendre avant d'aimer? Why do you want the person to understand before you forgive him? Pourquoi est-ce que vous voulez que la personne puisse comprendre avant de le pardonner?
The fact that you couldn't let go quickly doesn't mean that somebody should still be waiting for you. Le fait que toi tu n'as pas pu laisser cela le plus rapidement possible ne veut pas dire que Let me tell you the truth. T'attendre. At times, the people you hate, God doesn't hate them. La vérité c'est que les personnes que tu détestes, Dieu ne les déteste pas. That's the truth. C'est ça la vérité. If not like that, president will be dying. Sinon les présidents, les présidents en Togo, they would have died long time. J'en connais au Togo. The Ivorian president would have died. Le président de Côte d'Ivoire. The people we hate, God does not hate them. Les personnes qu'on déteste, Dieu ne les déteste pas. Ah? Forget it. Oublie. I close the heaven on him. Je ferme les cieux sur lui. You are not opening it. Tu es en train de l'ouvrir plutôt. I padlock it. I padlock the heaven. Je mets un cadenas sur le ciel sur lui. He himself says, even in the house of the wicked, he may rain fall. He may the sun shine. Il laisse la pluie tomber même sur la maison du méchant. I know. Je sais. I'm not called for everybody. Que je suis pas appelé pour tout le monde. But those that I know I've called for. Mais ceux pour qui je suis appelé. I will try for them to be established. Je vais essayer afin qu'ils soient. I will do it. Je le ferai. I'm telling you. Je vous le dis. Can you imagine the prodigal son came? Le fils prodige est venu. When he came, cry. He just want to be a servant. Quand il est venu, il voulait juste être un serviteur. When the father was organizing the party, quand le père était en train d'organiser la fête, he didn't call the senior brother. Il n'a pas appelé l'aîné. Oh, daddy, why did you do that? Papa, pourquoi est-ce que tu as fait cela? Why not respect the one who doesn't sin? Pourquoi ne pas respecter celui qui ne pêche pas? Oh, normally the senior brother is right. Normalement, le frère aîné a raison. So if you go do party, you're not going to inform me. Tu vas organiser une fête et tu ne veux pas m'informer. The man have so much love that he couldn't wait for the senior brother. Le monsieur aimait tellement son fils qu'il n'a pas pu attendre. The father is only looking for a lost son. Le père cherchait le fils qui était perdu. Allow us to win the lost daughters and the lost sons. And don't think that we are fools. And don't think that we don't know. Et ne pense pas que on est insensé. We are not doing it for them. On ne le fait pas pour eux. God and because of us. On le fait pour Dieu et aussi pour nous-mêmes. They saw Jesus with the eating with the sinners. Ils ont vu Jésus manger avec les pécheurs. The most holy people. Les personnes les plus saintes. They say yes, who are ho now? You understand who are ho? Go to applaud and ask. If you applaud, they say no, my go my. Now hear people. Écoutez peuple. The father. Le père. The story is not about the younger brother. L'histoire ne concerne pas le petit. The story is about the love of a father. Mais plutôt l'amour d'un père. Who can forgive that thing? Qui peut pardonner ça? The child literally or indirectly killed the man by taking the inheritance away. A tué ce monsieur juste en prenant son héritage. Change his dress. A changé ses habits. Kill a fat cow for him. Et a tué. How many women are your husband angry you ain't cook the best food he likes? Combien de How many of you can do quand that? Votre mari vous met en colère, vous, est-ce que vous cuisinez? Non, pas seulement cuisiner, ce qu'il aime. Ce qu'il aime. And you even say, oh dear. Et tu dis même, open your mouth. Ouvre ta bouche. If you open that mouth, si tu ouvres you cette put bouche. Stone inside it. Because you love bitterness. And Ako. À cause, can you imagine? Pasteur Christian push you to the wall. Pasteur Christian te pousse vers, pousse à bout. Mi pesa, j'aime pas ça. When Akos is not happy, that's how she talks. Mi pesa. Can you imagine? You cook a plate. Imagine and give que tu extra. Cuisine. You get extra. And say, my husband. Et dit mon mari. And Christian will be shocked. Say, eh? Et le pasteur Christian sera choqué. Il va dire, eh? Are they, Barbara, say that, please. Are they going to
poison me? Est-ce qu'elle because va some of the kindness you'll be thinking. Parce que parfois quand on vous fait du bien, ça vous fait penser. And so, come and sit down, my Il husband. Dit, viens t'asseoir, mon mari. No, don't worry, I'll feed it today. T'inquiète pas, je vais le mettre dans ta bouche. You ask her, how much you buy the coffee? How much did you buy? Please, people. S'il vous plaît. Love is the greatest. L'amour est le plus grand. I'm not saying that let's compromise on the word of God. Je suis pas en train de dire qu'on doit faire des compromis concernant la parole de Dieu. If you want to take a scripture not to love, you get one. Si tu veux prendre un passage de la Bible juste pour ne pas aimer, tu vas en trouver un. And if you want to love by the scripture, you get. Et si tu veux aussi aimer selon les écritures, tu vas en trouver. The Bible is just like a sea. La Bible c'est comme la mer. There are many kinds of fish. Il y a toutes sortes de poissons. Some fish are beautiful, but they are not eatable. Il y a certains poissons qui sont très ils sont vraiment beaux, mais on ne so peut pas les manger. So some decisions you may take with the word of God. Et il y a certaines décisions que tu prends avec la parole de Dieu life. Qui ne vont pas te donner la vie. Bitterness grieves the Holy Spirit. L'amertume attriste le Saint-Esprit. Bitterness, as I was saying that, is when you are resentful. You have a resentful spirit. Another word for resentful is what? Barbara? Sammy? Are you admiring me or what are you Est-ce saying? Est-ce que tu es en train de m'admirer ou? Sammy, you are just watching me like this. Resentful. Let's get another word for it. Check the meaning for me. Resentful. Essayons de retrouver un autre mot. Oh God. Amen. Michel, tu dois apprendre une chanson là. Comme ça, on va à Togo. Tu connais? Viens chanter. Viens chanter. Viens chanter. Tu connais tout? C'est congolais, oh. Hey, resentment. What is that? He said, bitter indignation at having been treated unfairly. So, another word is. The feeling of not well treated. They didn't treat you well. Le ressenti du fait que tu n'as pas été traité comme il faut. You see that feeling? Vous voyez ce Most bitter people, they always have this way. They didn't treat me well. C'est les personnes amères disent toujours on ne m'a pas traité comme il faut. Jesus, was he well treated? Est-ce que Jésus a été bien traité? Let's grow up. You'll be shocked. Vous serez choqué. Your enemy's wedding, maybe I'll wear white and say, hey, my pastor, Peut-être que au mariage de ton ennemi, je vais porter du blanc et tu Because vas dire à mon pasteur. I'm not following you in that. Parce que je suis pas en train de. I said the people we hate, God does not hate them. Les personnes qu'on hait, le Seigneur ne les déteste pas. The greatest weapon is called love. La plus grande arme, c'est l'amour. Holy Ghost! That one, the first. Now, Holy Ghost, love. Holy Ghost! Amour. You see, your mouth is not... Hey, Pastor, what are you doing to us? Holy Ghost! L'amour. Some people are saying, love. They are still... Holy Ghost! L'amour. Oja. L'amour. Yeah. Hey. Christian life. La vie chrétienne. You don't know it. Vous savez pas. There are times, there are things. Ask mama. Parfois, il y a certaines choses. Demandez à maman. I'll receive a thing. Je reçois une chose. But let me just get a bed. Donnez-moi seulement un lit. Un pillow. Et I'm not waking up with it, though. Je ne me réveille pas avec. I'll bury it. Je vais l'enterrer. I don't like things somebody something is doing to me to stay with me. Nah. Je n'aime pas que quelque chose que quelqu'un me fait reste avec moi. Some of you do and you wake up in the night. Certains d'entre vous, ça vous arrive, vous réveillez la nuit et vous faites. Mami, si vous avez. Donnez-moi de l'eau.
you know, bitterness is foolishness. You know why? L'amertume, c'est outre. The person who offended you, celui qui t'a offensé, you are not following him. Tu es en train de le suivre. But you don't want him to know. Mais tu ne veux pas qu'il sache so que tu es en train de le suivre. So you are watching our status system. We don't know you are watching. Donc tu regardes nos statuts et on ne sait même pas que tu le regardes. Hey. Some people have two Facebook, three Facebook. Il y a des personnes as I'm talking about there's somebody who doesn't love Pastor Philip. Il y a quelqu'un pendant que je parle qui n'aime pas le pasteur Philippe. Instead of coming and watch. Au lieu de venir voir. If her name is Ama. Si son nom c'est Ama. You say Amion. So you'll be thinking an India woman watching. Vous allez penser que c'est your whole church member. Ama has become Amion. Ama est devenu Amion. The way church can discipline. L'église, comment l'église peut. Everybody should be a pastor. I'll be very happy. Tout le monde devrait être un pasteur. Je serai très content. Hein? I see how Claude Attam, they will give it to him. Je vois comment on traite parfois l'évangéliste Claude. The call is this. They will give him. Barbara will give him. Barbara forget that he's married a pastor. Un Avonia Christian. Avorien chrétien. Les chrétiens ivoiriens. Oh, l'abérien. Ou les chrétiens libériens. Ma mère. Yo, tell them. We don't know where. Whether we send it to Niger. On ne sait pas si on va t'envoyer au Niger. Everybody. Tout le monde. Pastor Hugo Chopam. I pray for all my girls to marry pastors. Je prie pour toutes mes Hugo filles. Hugo, feel them some. You receive double portion. No, 100 portion. Hey. A church member will give you. Un membre de l'église peut te donner. You don't know whether to bark like a dog. Woo, woo. Tu sais pas si tu dois. You don't know. I said one day I sent Pastor Christian and Pastor Brice. Un jour j'ai envoyé le pasteur Christian et le pasteur Brice. To go and see a church member. D'aller voir un membre de l'église. They didn't offend the church member. Ils n'ont pas offensé ce membre de l'église. One day, one day, quand ils sont partis le voir, cette fille, he lectured them. Les a bien enseignés. When they came, et quand ils sont revenus, their shoulders fall on them. Leurs épaules étaient tombées comme ça. My pastor, what happened? J'ai dit, pasteur, qu'est-ce qui s'est passé? Pastor, it's good you didn't go there. Il a dit, ah, c'est vraiment bien que tu ne sois pas parti là-bas. They came like this. Ils sont revenus comme ça. Church. Église. If you don't want anybody to touch you, si vous ne voulez pas qu'on vous touche, don't do God's way. Ne faites pas l'œuvre de Dieu. Hear me. Écoutez-moi. If you want people to love you as si a pastor, si vous voulez que les personnes vous aiment en tant que pasteur, go and sell ice cream. Allez vendre de la glace. Even you people are laughing here now. Même ceux d'entre vous qui tomorrow, riez. Tomorrow you will hate me. Demain vous allez m'haïr. Jesus say, they say Hosanna. Can Jésus you imagine the same week? Les mêmes personnes the qui ont dit Hosanna, Hosanna. Qui ont dit Hosanna. By Friday. Le vendredi. Crucify him. Crucifiez-le. Hey. Agbeto. They say Hosanna. Ils ont Hosanna. Dit Hosanna, Hosanna, Hosanna. By Friday. Le vendredi. Crucifiez-le. Et il y a un manteau. C'était pas un mois. In the period of 5 days. Juste 5 jours. The most bitter people on earth. Les personnes les plus amères sur terre. It's not politicians. Ce n'est pas les politiciens. Clergymen, men of God, pastors. Les hommes de pastors Dieu. Wife. Les pasteurs, les femmes de pasteurs. Especially pastors' children. Surtout les enfants de pasteurs. Many pastor children don't want to. Beaucoup d'enfants de pasteurs ne veulent pas être pasteurs. You criticize them. Vous les critiquez. You criticize their parents. Vous critiquez leurs parents. They know. Ils le savent. You see, vous the voyez, way you treat a pastor. Votre façon de traiter un pasteur. Will make a pastor child want to become one. Fera en sorte que un enfant de pasteur voudra aussi devenir pasteur. A special pastor's wife. Surtout les femmes de pasteurs.
It is well. Are we learning? Est-ce que nous apprenons? So bitterness is to have to be resentful. Donc, resentful is to that feeling of right, right? Christian, read it for us, please. Oh, time is up. Hebrews chapter 12, 15, quickly. Hébreux chapitre 12. Verse 15. Le verset 15. Hebrews chapter 12, verse 15. Looking carefully, lest anyone fall short of the grace of God, lest any root of bitterness springing up cause trouble, and by this many become defiled. Lis le français. Hébreux chapitre 12, le verset 15, il dit: veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. Hear me. Écoutez-moi. The more you explain yourself, plus tu t'expliques, the more you give excuses, plus tu donnes des excuses, the more bitter you become, plus tu deviens amer. May the Lord help us. Que Dieu nous aide. We shall sing the song. I want you to pray, ask the Holy Spirit to forgive you. Which way have you grieved the Holy Spirit? Que ma vie soit une fleur. Et parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Why is she singing? Praying. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Which way have you gripped the Holy Spirit? Comme l'agit devant le bon Dieu, donne-moi la forme qui te plaît. Ask the Holy Spirit to have mercy on you. Fais toujours en ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours. Ici-bas, comme l'agit devant le portier, donne-moi la forme qui te plaît. Yes. Fais toujours j'entends ton. Je serai toujours confiant. The song say, give me the form that pleases you. Give me the form that pleases you. Donne-moi la forme qui te plaît. We can never do his will. On ne peut jamais faire sa volonté. With the form that pleases us. Avec la forme qui nous plaît à nous-mêmes. You are praying. Tu vas prier. That God give me the form that pleases you. Que Seigneur, donne-moi la forme qui te plaît. Oh yeah. Vas-y la sœur. Je serai toujours confiant. Comme l'agit devant le portier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Oh yes, yes. Je serai toujours confiant.
Seigneur, observe mes voies. Garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands. Fais-moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais-moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands. Seigneur, aide-moi. Fais-moi ce que tu veux. Que ma vie soit une fleur. Oh oui, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me réponds. Je me réponds. Je me réponds ce que tu voudras. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Bless you, Pastor. Dieu vous bénisse. One thing as a believer we have to know is that une chose étant croyant que nous devons savoir, c'est que bitterness is like a cancer. L'amertume, c'est comme un cancer. And when you have bitterness in you, it will wound you. Et lorsque tu as l'amertume en toi, elle peut te blesser. And it will kill you slowly. Et va te tuer lentement. Before you realize, avant que tu ne saches, ce sera trop tard. And when you have bitterness against a brother et lorsque or a sister, tu as l'amertume comme contre un frère ou une sœur, remember that anytime you go before God, God will never listen to your prayer. À chaque fois que tu vas devant Dieu, Dieu prière. So let's forgive each other. Alors pardonnons-nous les uns les autres. And let's love each other. Et aimons-nous les uns les autres. Amen. Amen. God willing, tomorrow. Je voulons demain. We'll be meeting here the same time. Nous allons encore nous retrouver ici à la même heure. 5 to 6. De 17h à 18h. Today's prayers was very powerful. Aujourd'hui la prière de 17h était vraiment puissante. God bless you, Pastor Christian. Que Dieu te bénisse, Pasteur Christian. Pastor, tomorrow we'll be going to the forest. Good. Okay. Amen. Amen. So God willing, tomorrow let's come on time. Demain venons à l'heure. Offering. Amen. And God willing, Friday the all night. Demain par la grâce de Dieu, vendredi par la grâce de Dieu, nous aurons une veille de prière. 8 p.m. in the evening.
So when you are coming, break the fast before you come. On commence à partir de 20h. Donc en venant, vous pouvez rompre le jeûne et au cours du service, nous aurons le souper du Seigneur. So be prepared. Alors prépare-toi. And when you are coming, don't come alone. Et en venant, ne viens pas seul le vendredi. Invite someone. Invite quelqu'un. And today is Aunt Vic's birthday. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre maman Auntie Vic. Amen. Happy birthday, Auntie Vic. Joyeux anniversaire. I want us to raise a prayer for her. J'aimerais qu'on prie pour elle. She's been a blessing to us. Elle est une bénédiction pour nous. She's been a mother, a sister, elle a friend to us. Elle est une sœur, une amie, une maman pour nous. So I want us to stretch our hands. Alors j'aimerais qu'on étende nos mains vers elle et on prie and pour I want elle. Us to pray that whatever her heart desire, que tout ce qu'elle désire de son cœur, whatever she is believing the Lord for, tout ce pour quoi elle croit the Lord Dieu, shall remember her. Que le Seigneur se souvienne d'elle. The Lord shall remember her sacrifices. Que le Seigneur se souvienne de ses sacrifices. We pray for grace over her life. Nous prions, nous demandons la grâce sur sa vie. We pray for the mighty hand of God over her life. Nous demandons la main puissante de Dieu sur sa vie. That the Lord shall keep her. Que le Seigneur la préserve. The Lord shall move her from glory que to glory. Que le Seigneur la bouge de gloire the Lord en shall gloire. Cause his face to shine upon que le Seigneur her. Lui sa face sur elle. The Lord shall favor her. Que le Seigneur la favorise. The Lord shall favor her. Que la faveur de Dieu soit sur elle. Que le Seigneur ouvre les écluses de ses yeux. Et que le Seigneur exauce ses prières. Ses prières qu'elle a amenées devant Dieu. Toute volonté de l'ennemi concernant sa vie. Nous prions qu'il soit déçu. Nous annulons le plan de l'ennemi concernant sa vie. Concernant la vie de ses enfants. Concernant son mari. Tout ce que l'ennemi a préparé dans le ventre du temps. Sous malheur qu'ils ont planifié contre elle. Les dominons par le sang de Jésus. Les dominons par le sang de Jésus. Nous les dominons par le sang de Jésus. And we prophesy et nous prophétisons that a year by this time, que l'année prochaine apparaît she moment see her heart desire. Qu'elle reçoit she les désirs de son cœur. Qu'elle reçoit les désirs a year de son by this time, l'année prochaine apparaît she moment is believing the Lord tout ce qu'on croit et croit pour to le Seigneur. Que le Seigneur l'accorde. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus nous Amen. Avons prié. Amen. So if you have any gift for her, si after church, vous avez you des cadeaux pour elle, vous pouvez aller lui donner. Has been a blessing to the parce qu'elle a été une bénédiction pour l'église. Elle est une bénédiction pour l'église. Last year, l'année passée, I remember they organized something for the August born. Je me souviens qu'on avait organisé quelque chose pour ceux qui sont nés en août. Year it will happen. Je ne sais pas si cette année cela va se passer encore. We will talk about that, Aunt Vic, when we close. Amen. Amen. We have to celebrate her. On doit vraiment la célébrer. Elle a été une bénédiction. Elle est une bénédiction pour nous. Aunt Vic. You talk, eh? Amen. Amen. Let's be on our feet. Levons-nous. We are praying for our Father in the Lord. Nous prions pour notre pasteur. We are praying grace over his life. Nous prions demandant la grâce de Dieu sur sa vie. We are praying that the Lord should open the doors of Benin, les portes du Bénin, and the doors of Togo to him. Pour lui. We pray that the Lord should give him favor nous prions over the que le Seigneur lui accorde la faveur in the mighty name Benin, of Jesus. Togo, au nom puissant de we Jésus. Pray that the Lord should give him favor nous over the land of Benin. Que le Seigneur lui accorde la faveur sur in the name of Jesus. Benin, au nom de the Jésus. Lord should release financial helpers. The Lord should open doors. The Lord should release divine helpers. The Lord should make provisions concerning the program. In the mighty name of Jesus, pray. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous avons Amen. Prié. Let's remember our pregnant women in prayer. Souvenons-nous des femmes enceintes dans la prière. Anytime we go before the Lord. À chaque fois que nous allons devant Let's le Seigneur. Let's keep them in prayers. Gardons-les dans la prière. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Let's share the grace. Partageons la grâce. Je veux chanter qu'il est digne, car dans ma vie. Jésus est dit.